Et bonsoir les gens, c'est Willy, on se retrouve pour l'épisode 8 de notre let's play sur The Legend of Zelda The Wind Waker. Dans l'épisode précédent, nous sommes entrés dans ce donjon, dans la forêt, je ne sais plus comment elle s'appelle. Les bois défendus, j'ai des problèmes de mémoire en fait, je sais pas ce qui se passe, j'ai Alzheimer. Je me rappelle jamais des noms, enfin j'ai pas de mémoire des noms. Dans les bois défendus donc, pour... Eh bien, retrouver Dumoria, un petit Korogu. Hop, c'est bon, je suis. Un petit Korogu qui est resté coincé et en échange, l'arbre Mojo nous donnera sa belle petite perle de... Je sais plus comment elle s'appelle non plus. Comme celle de Skaf, en fait. Et du coup... Il nous faut je sais plus où je suis allé. Et du coup il nous faut aller sauver le pauvre petit. On est entré dans ce donjon. On s'en sort plutôt bien pour le moment, en espérant que ça continuera. Et j'ai oublié de... Attendez. On a également récupéré le boomerang, qui est un objet totalement pété. Enfin personnellement j'aime beaucoup. Même si on l'a... Waouh. Voilà. Qui nous permet d'attaquer à distance et d'actionner des mécanismes comme ça. On peut verrouiller jusqu'à 5 trucs au maximum. Et sinon, on se fait un peu des couilles en or avec nos petits rubis là, les 200 rubis qu'on a, qu'on va se faire un plaisir de dépenser à Mercantile après tout ça. Mais pour le moment, il faut retrouver le petit Dumoria. Alors. Hop. À moins qu'il faut que je me balance dessus. Non, je me disais bien. Il est là-bas, voilà. Lui et l'autre. Voilà. Par contre, j'espère que ça va passer. Ça passe large. Voilà ce que je voulais faire dans l'épisode précédent, mais sauf que je me suis cassé la gueule en me trompant de touche. Mais on va éviter de le notifier. Encore un petit pendentif du bonheur. Je me demande combien on en a avec tout ce temps là qu'on a eu. Attendez, on va aller voir ça. Beaucoup. Et je pense qu'il ne garde pas tout parce qu'il peut en stocker qu'un certain nombre. Mais on est très bien, on va être riche. Hop, on se refait des cœurs. Et c'est quoi ce truc? Je peux l'attaquer? Ah. Hop. Oula, la caméra qui a galéré un peu. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Je suis déjà allé là. J'ai fait tout. J'ai fait... La salle du boss est au premier étage. Il faut que j'aille au sous-sol. Si j'ai bien compris le truc. Du coup, YOLO! Calme-toi. Hop, des petits MLG. Les rubis, ça me sert à rien. Je regarde autour de moi. Il y a un truc là. Ah! C'est bon, c'est de l'eau, mais on dirait de l'eau empoisonnée, ça fait peur. Ah, c'est si je veux remonter. Et là, c'est quoi? Ah, c'est vraiment si je veux remonter en fait. On va pas se priver d'explorer un petit peu. On va finir le donjon et après on va voir. Parce que je pense que le boss il est au-dessus, mais... Je suis curieux de voir ce qu'il y a là. Il y a plein de trésors. Ah.
Là, on va tester le pouvoir du boomerang. Allez, on enchaîne. Oh là, c'est tellement cheaté. Ah, par contre, mourez! Oh, sérieux, je peux pas grimper. Ah, ils aiment pas l'eau. Y a rien ici. Par là. C'est bon, on a tout tué. Ou presque. Alors, premier trésor. Obligé, il y a un truc là-dessous. Un rubis jaune. Oui, mais je m'en fous. Mais il doit avoir la clé ici. Non! Oh, je vais me noyer. Oh, le mauvais délire. S'il vous plaît. Il doit y avoir un truc quand même. J'ai eu chaud. Bon, pas de bêtises cette fois-ci. On va la faire à la légite. Voilà. Mon choupetteur. J'ai raté. Donc j'ai dit le choupetteur. Non, non, remonte. Waouh. À moi. Waouh, mais c'est trop vaste ici. Okay, ça passe pas du tout. Je monte. Hop. Ah. Bon, maintenant ils sont plus chiants ces mobs. Avant ils étaient chiants, maintenant on s'en fout. Regardez comment on les défonce. Allez hop, va te coucher. Je crois qu'on va jouer que boomerang. Est-ce que je peux le... Non, je peux pas passer à travers. J'ai dit coucher. Saute. Mais abruti. Je voulais sauter sur la plateforme pour récupérer mon petit, la petite boule là avec les trésors. Allez, je saute, je saute, je saute. Et je casse la boule. Y a rien de fou dedans. Il y avait un cœur, mais bon. Je m'en fiche un peu. En vrai, je le voulais, mais faut pas le dire. Hop, tout ça en moins. Lui, on le tue aussi. Je peux pas. Voilà, là, il est mort. Ça, c'est un méchant.
On s'ennuie. À moi les cœurs. Tout ça pour des coffres, hein, parce que je sais qu'il y a une grosse clé en fait. Je suis sûr qu'il y a la grosse clé du boss, comme la dernière fois, mais... Allez, va coucher. Alors... Il y a un choupetteur. Ah, il veut pas. Peut-être lui. Mais alors, tu n'es pas motivé? Ah, c'est chaud de viser. Et je peux pas le trigger avec le... Oh. Mais... Alors... Ah, pensons que je crois que j'étais bloqué, j'ai eu trop peur. Nope. Alors... Ouais. Mais il veut pas. Pourquoi il veut pas? Quoi? Attendez, attendez. Depuis le début, il fallait que je fasse comme ça. Et moi, depuis tard, j'essaie de pousser les ventilos là, enfin les bidules. Par contre, là, il est KO. Ok. Donc, je suis débile. Parce que moi, en fait, depuis le début, je soufflais dans les truc qui tourne, hein, le mécanisme. En fait non, fallait juste que je souffle derrière moi pour pousser la plateforme. Mais moi j'ai pas encore ces réflexes là. J'obtiens une carte au trésor. Utilisez Y pour la déplier depuis l'écran des cartes et vous découvrirez l'emplacement d'un trésor. Dirigez-vous vers le point indiqué et vous mettrez la main sur un trésor. D'accord. On fera ça sûrement dans un autre épisode. Peut-être dans l'épisode où est-ce qu'on reviendra sur les anciennes îles. Nous verrons. Alors. J'ai eu ma carte au trésor. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que j'aille où? Ah, il est parti le nénuphar. Enfin le nénuphar, la grosse fleur là qui nous servait de bateau.
D'ailleurs, en parlant de bateau, elle peut nous servir de bateau, non? Si je souffle comme avec la plateforme. Maintenant qu'il y a cette mécanique, que je suis au courant qu'elle fonctionne et qu'elle est censée être là. Attendez. Je vais... tout couper. Paf! Et là... c'est ça, ça marche. Go! Emmène-moi! Tu seras mon nouveau lion rouge. Par contre, c'est compliqué à manier, mais... voilà. En plus, il y a plus de place sur, que, ici que sur Lion Rouge. Donc, tu seras mon lit, tu seras tout. Génial. Aïe. C'est qui? Voilà, au revoir. C'est bon. Oh, un petit cœur. Hop, je regrimpe. Donc. Ils meurent tous. C'est bon. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Un autre boss. Ah, ok. Ah! Je peux pas me déplacer en faisant ça. Deux. À tous les coups, il y en a cinq et moi j'en ai visé quatre. C'est ça. D'accord. Faut que je monte et que je vise autour de moi. C'est tout con. Mais faut s'y habituer en fait. C'est des gameplays que je ne connais pas forcément et que... et que là, ça va être facile à faire. Regardez, je tourne. Zut. Je peux faire un joli truc et j'ai tout cassé. Et hop! Ah. Ah, faut le faire dans un certain ordre. Genre comme ça, si je le fais comme ça. Genre... hop, 1, 2, 2, 3, 4 et 5. Et là. Easy. En plus, c'est un très gros coffre. Du coup, qu'est-ce qu'on a récupéré? Une grande clé. Ah, et ben voilà. Allez, go. Ah. Alors vous. Oula, excusez-moi pour le petit lag. Aïe, aïe, il frappe dur lui. Mais aïe, je peux pas. Yeah.
c'est bon, légère. Par contre, il me redonne de la vie, hein. Voilà. Ah. Et du coup, il y a une autre sortie. Est-ce qu'ils me disent qu'il y a une autre porte? Là, c'est la porte pour partir. Et l'autre porte, elle est là, genre. Ils me disent qu'elle est là. Ah. Je vais devoir prendre ma grappin-griffe. Ah, il va falloir switcher, hein. C'est un petit peu tendu. Bah même à la limite. Oh mais ça va me stresser. Je peux faire ça. Voilà. À la limite ce sera plus intuitif pour moi. Pas trop mais un peu plus. T'inquiète Link, tu peux tomber. Oh zut. Ah, il y a un autre chemin par là. Il y a trop de chemin, c'est bon. De toute façon, voilà, on s'en fout, on a tout fait. Il faut que j'aille maintenant au premier étage. Le premier étage, c'est juste au-dessus. Donc si je fais... Si je ne fais pas ça... Si je fais... Si je fais ça... Wouh! Je vais juste rentrer dans la bidule pour me mettre full endu. Voilà. Maintenant le boomerang. Ah zut. Allez hop. Il est là le boss. Ouais, il est là. Ah, on a un coffre. D'ailleurs, si on a une fée, je me demande si je pourrais pas la récupérer avec un bocal. Parce que on m'a dit... Ah là, les conseils, on me donne beaucoup de conseils, c'est bien ça. On m'a dit que je pouvais enfermer les fées dans un flacon. Du coup, on va tester. Où est mon flacon? Il est là. Le flacon. Donc, si je le mets là... Pendentif du bonheur, ok. Je suis sûr il y en aura une de fée, comme la dernière fois. Oh, tu me casses les couilles, toi. Allez, viens. Et c'est pas où faut que j'aille? Parce que je me suis perdu avec leurs bêtises. C'est là? C'est là. C'est définitivement ici. Donc. Ok. Ah! Vilaine, moi. Les vilaines. Y'a rien d'autre? Ok. Bon bah, je me suis trompé pour la théorie de la fée, là.
Donc, je reprends mon boomerang, il va m'être utile. Et oh. Go. Aïe. Alors. Oh. D'accord, je me dis, oh, c'est une petite plante, on s'en bat les couilles. Mais non, c'est plutôt fat. Ah, il vole en plus. Waouh, waouh, waouh. Je peux pas le focus. Non, ma manette. C'est bon. Ok, je comprends ce qu'il faut faire. Ah mais il en a plein. Ok, j'ai raté. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, il en reste plus beaucoup. Non, ça marche pas comme ça, faut trouver un autre truc. Oui, mais je ne comprends pas. Et oui, mais je le fais comment pour le battre?
Ah mais c'était vraiment ça. Mais c'est beaucoup trop dur. Perso, regarde le mur, arrête. C'est bon, je comprends. Ok. C'est comme ça alors. J'avais bien compris, mais ça s'est pas passé comme prévu au début. Du calme. Je ne veux pas t'énerver, je veux juste te tuer et récupérer mon pote. Qui n'est pas mon pote accessoirement. Il est où le dernier tentacule? Je sais qu'il y en a encore un. Il est là-haut. Allez, t'es fini. Aïe. Il est beaucoup trop chaud. Ouh. En fait, faut pas le laisser le temps. Faut. Je fais comme un fou. Bon, désolé pour vous, niveau caméra, ça va pas être ouf, mais je joue pas dégueu. Enfin, je pense, j'espère. Oh, je l'ai eu. Oh yes. Oh oui. On est enfin venu à bout de ce monstre. C'est toi qui m'as délivré, ami à l'épée? Oui. Merci beaucoup. J'ai dû m'évanouir et j'ai pensé que j'allais mourir. Mais au fait, comment es-tu venu jusqu'ici? C'est donc grâce au vénérable arbre Mojo. Mais c'est vrai, la cérémonie annuelle doit avoir lieu aujourd'hui. Partons vite d'ici. Déjà, tu me laisses récupérer mon cœur. Et 5 heures maintenant, on a. Allez, on y va, mon petit. Et du coup, on va retrouver l'arbre Mojo. Du Moria, te voilà. Tu es sain et souf. Vénérable arbre Mojo, excuse-moi. Pourtant tu m'avais mis en garde. C'est oublié, du Moria. La prochaine fois, tu feras plus attention. Link, bravo pour ton courage. Je te remercie. Voici ce que je t'ai promis. Ah, il secoue son gros baobab.
Oh, elle est stylée celle-là. Et on a la perle de Faror. Ce joyau divin vous est remis par l'arbre Mojo, esprit de la terre. Je vais prier pour que cette perle te porte chance. Allez, du Moria, sèche tes larmes. Joue-nous donc un morceau comme d'habitude. Commençons vite la cérémonie. Excusez-moi pour tout ce contretemps. Allons-y. Link, pour te remercier, je vais essayer de jouer encore mieux que d'habitude. J'espère que ce morceau te plaira. Oh, sympa! Vénérable arbre Mojo, tes fruits sont superbes cette année. Avec d'aussi beaux fruits, nous allons pouvoir agrandir la forêt. Ne perdons pas de temps. À bientôt. À l'année prochaine. Portez-vous bien. Abonne-toi, mets la cloche. Toi aussi, ami à l'épée, porte-toi bien et à un de ces jours. Ah. Lui joue encore son violon. Link, merci pour tout. Est-ce que mon morceau de musique t'a plu? Le vénérable arbre Mojo m'a offert cet instrument de musique à ma naissance. Quelqu'un l'utilisait autrefois pour jouer de la musique et il s'est transmis jusqu'à moi. Mes 8 amis Korogu sont partis pour replanter des arbres. Mais Dishopsis, le pharmacien de la forêt, et moi, nous restons ici toute l'année. Viens nous rendre visite quand tu peux, tu nous feras plaisir. Cette musique me dit un truc en plus. Bref, on va retourner au lion rouge et on va se laisser là. Ah, il fait bien plus beau ici quand même. Ah. Allez, toboggan. Wouhou. Voilà. Alors, lion rouge, je t'ai pas trop manqué. Il est juste ici. Alors, ça va? Cet endroit porte bien, lui aussi, la marque de Ganon. Comment peut-il donc retrouver ainsi toutes ses forces? Link, la dernière perle que tu dois trouver est dans un endroit situé au nord-ouest d'ici. Partons vite. Ouais, bah, plus tard. On fera ça au prochain épisode, mon petit lion rouge. En tout cas, bah, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, ben, je vais vous laisser là. On se retrouve la prochaine fois pour un autre let's play ou un autre épisode. D'ici là, bah, portez-vous bien. On se retrouve très vite. Et à bientôt.